Et nous revoici donc sur Prison Architect donc pour une troisième un troisième épisode. Alors donc de la saison 2. Hop, c'est parti. Nous revoici donc sur la carte où nous attendons avec impatience nos prisonniers. Hop, on va mettre en maximum en termes de timer. Alors, salle commune en termes de construction. Hop, donc elle est ici. Au niveau des bobs, est-ce que j'en ai 11? Je vais en prendre en complément. Je vais prendre aussi quelques gardiens supplémentaires. Voyons où nous en sommes au niveau des recherches. Il nous faut donc le chef de la sécurité. Hop, donc personnel, chef de la sécurité... On va le mettre dans un bureau. Hop. C'est parti. Toujours un petit bureau. Tiens, je vais enlever cette... Est-ce que... Voilà. Non, c'est aussi en cours. Bon, c'est en cours. Ok, très bien. Les salles de conditionnel. Hop, on va déjà... tac, salle de conditionnel. On va déjà donc les délimiter. Le temps que nos bobs construisent la fin des murs. Voilà. Tac. Et je vois que nos prisonniers arrivent. Nos premiers petits tollards. Les voici, ils sont tout mignons. Façon de parler, bien évidemment. Donc nous avons actuellement 40 prisonniers pour 43 places. Ce qui est plutôt pas mal. En attente en salle d'isolement. Ok, d'accord. Très bien. Allez, on va pouvoir donc commencer à mettre en place les tables pour le parloir. De mémoire, il en faut 3 pour la subvention. Les 3 tables sont mises. Construire le parloir. Ah, mais ça, non, ça c'est la con... Ah mince, je me suis trompé. Le parloir, c'est ici. Que voici de terminer. Très bien. Parloir, hop. C'est parti. Hop, on va enlever cette petite zone. Alors, dans le parloir, moi, je vais mettre en place... Voilà, les cabines. Enfin, des cabines, entre guillemets. Hein. Ça évite qu'il y ait un contact direct entre le prisonnier et le visiteur. C'est une question de sécurité pour pas éviter de passer donc des armes, des choses comme ça, des produits illicites. Tout simplement. Hop, là je pourrais pas le mettre, je vais mettre un petit bout de mur pour compléter. Que voici. Nous aurons donc la porte du parloir qui sera... qui sera, je pense... Est-ce que on fait... Ah, c'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Ouais, je vais la mettre ici. Hop, objet. Porte du personnel. Je vais la mettre ici, parce que donc là, je pense que je ferai donc un grand passage pour tous les bâtiments qui vont se trouver donc dans cette zone. Voilà, tout simplement. Où en est notre salle commune? Ouais, donc là, c'est... C'est pas encore la joie, hein. C'est pas encore fait. Il nous manque l'électricité, les lits, enfin il manque beaucoup de choses. Où en sont nos prisonniers? Ah bah ça a l'air de bien se passer pour le moment. Je ne peux pas prendre une autre subvention. Et là en plus je suis au maximum quoi, de la vitesse. Ça va pas non plus super super vite, enfin bon. Déploiement, très bien. Alors, je vais mettre un gardien donc ici. Je vais en mettre 2 là. Nous aurons donc un ici, un là. Cuisine, de toute façon, ce sera interdit. Ce sera que pour le personnel. Les bureaux, même chose. Ouais, bureau du directeur. Voilà, toute cette zone interdite pour donc les prisonniers. Et on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal.
Ce que je vais faire. Ils ont pas mis les portes là? Ouah, le chantier quoi. Attends. Gardien. Hop. Voilà. Ici, on va mettre. Je sais que j'ai déjà construit plein de trucs. Mais bon. C'est pour la sécurité. Planification, je vais enlever ça. Voilà. Et je vais aussi enlever, tant qu'à faire, toute cette partie-là. Alors, on va continuer nos cellules. On va pas tarder. Là, je vais devoir les faire malheureusement manuellement. C'est pas grave. Tac. Et les lits. Ah, c'est dans l'autre sens. Bon, c'est pas grave. Je vais faire ça aussi manuellement. Alors, on va avoir besoin donc. Hop. Voilà. Les lits. Nous allons avoir besoin donc des toilettes. Pommeau de douche. Et. Des plaques d'écoulement. Ainsi que des portes. Ça peut être sympa. Que voici. Alors lui, je sais pas ce qu'il boutique. Tuyau d'eau chaude. Logistique. Température. Ah ouais, il fait pas chaud là. Et ça, ça marche pas ça? Ah, faut peut-être mettre des radiateurs. Radiateur. Radiateur, ben voilà. Hop. On va en mettre un ici, déjà. Alors je sais pas s'il doit être relié ou j'imagine que oui. Alors, où sont? Ils sont dans la cour. Ok. Faut que j'embauche un peu plus de personnel. Hop. Ok, donc là on est pas mal. Au niveau de l'eau, qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, c'est encore, encore ces fameux tuyaux quoi. Encore ces fameux tuyaux. Les tuyaux d'eau chaude. Pas d'accès. C'est quand même bizarre ça. Hop là, pardon, excusez-moi. C'est quand même chelou ce truc. Bizarre. Bon, on va bien voir, mais là j'ai pas d'eau donc. C'est vraiment inquiétant quand même. Hop là, on va mettre en max parce que là ça va pas très vite. Réseau d'eau. Non mais ça c'est les petits tuyaux. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, c'est pas terrible ce truc hein. Ça c'est non, c'est tuyaux d'eau chaude, ça c'est pour le froid. Eau froide. Allez, hop, tac. Ça c'est pour les toilettes, toilettes. Encore les toilettes. Et ici même chose, et voilà, comme cela, le gros tuyau sera là. Je vais remettre un petit coup, petit tuyau. Ouais, c'est bizarre là, ces trucs là, c'est vraiment chelou de chez chelou. Ouais, on va bien voir. En attendant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va construction, les clones. Oula, émeute, qu'est-ce qui se passe? C'est où? On verrouille tout. 4 personnes participent à l'émeute, c'est terminé. Ok. Il n'y a que 43 là, donc ça va pas le faire quoi. Si avec simplement 43 personnes, on a une émeute, ça va être chaud moquette là quand même. Hein. Allez, hop, on va cloner ça. J'ai l'impression qu'on va en avoir besoin là, des cellules d'isolement. Mon petit doigt me dit que
ça va pas vite du tout. Oh là là, déploiement. Il va me falloir donc un gardien ici. J'en mets deux. Comment ça, pas d'accès? Ah d'accord, ok. Oh là 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 là. Faut le chantier quoi. Le chantier, non mais c'est un truc de fou. Tac. Eh oui, mais... Oh putain. Verrou ouvert. Verrou ouvert. Tac. Et tac. Ça va être mieux de suite. Non mais en fait les mecs ils sont débordés quoi. Déploiement. Il y en aura un ici. Et je vais embaucher du personnel, hein, tant pis. Hein, Ouais mais 34 quoi. Salle commune, allez, on va attaquer ça maintenant. Salle commune. Lui, il est au repos. Ok. Hop, pièce. Salle commune. Hop, on est là. Tac. Et dans la salle commune, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre en place. Billard, ça peut être sympa. Petit billard tranquille. Hein, voilà. Il va nous falloir aussi des chaises pour la thérapie comportementale. Hop. Hop, comme ça on est bien. On va mettre donc... trois canapés. Et on va mettre donc des télévisions. Comme cela. Tac, il va falloir que ce soit relié donc à l'électricité. Câble électrique. Là mes boys ils en peuvent plus là. Il y a tellement de trucs à faire que j'ai l'impression qu'ils sont complètement à la ramasse. Construction clone. Hop. On augmente notre capacité. Il va falloir que j'embauche d'autres bobs. 15. Tac. 5 de plus. Les cuisines. Je veux aussi embaucher. Ça, ce sera bon. Ok. Bon, est-ce que ça se passe bien? Là, oui, on a un garde, un ici. On devrait pas être trop mal. Qu'est-ce qu'il a? Accès impossible à la cuisine. Effectivement, bah non, non, si c'est bon, c'est bizarre. Énervé, épuisé, bah oui, oui, forcément, oui. Possible d'accès à la cuisine, ouais, c'est bizarre, bon, je comprends pas. On verra bien. Ah, nickel, nos subventions ont été réalisées. Enfin, les tâches pour avoir les subventions sont terminées. Donc, il va nous falloir... intégration, engagement... Ouais, ok, ça marche. Alors, il nous reste affecter 3 personnels, enfin 3 gardiens en patrouille. Ça va pas être très compliqué. Gardien pour les patrouilles. On va en mettre une. Ici. La seconde là. Et la troisième ici. Trois gardiens, 6 de patrouille. Ok, bon, bah, ok. Déploiement. Non, il manque, voilà, trois gardiens et... ouais, il manque les gardiens en patrouille. Bon, on va en faire plus, hein, j'ai pas compris le principe. C'est pas grave. Je pense qu'on va en mettre une au niveau, oui. De la cantine. Voilà, c'est chose faite. Nickel. Affecter donc 3 prisonniers à la buanderie, 3 prisonniers à la cuisine et une salle de nettoyage. Ok. Donc on va faire donc la salle de nettoyage à cet endroit-ci. Construction béton, pas besoin qu'elle soit non plus très grande, aucun intérêt. Par contre la buanderie, alors il va falloir une porte. Pop, pop, pam, tac. On va mettre une porte normale, ouais. On va faire ça comme ça. La buanderie, on la fera donc par ici. Et affecter 3 cuisiniers à la cuisine. Enfin, 3 prisonniers à la cuisine. Logistique, travail carcéral.
On peut pas le faire encore. Ok, c'est parce que j'ai à mon avis pas la... les classes. Taser, ça va être important. Le gilet tactile aussi. Les chiens aussi. Vidéosurveillance aussi. On va prendre la tour. Microgestion, c'est en cours. Ok. Très bien, très bien. Donc là, nos cellules continuent à être bien. Tiens, là, il faut bien donc de l'eau chaude. Comme je pensais. Tuyau. Ça, c'est tuyau d'eau chaude. Alors, tiens, là, il manque un... Non ! Un ici. On aura besoin, donc, pour le chauffage. Qu'est-ce que ça nous dit en chauffage ? Température. Il fait 3 degrés dehors. Là, on se les pèle, quand même. Hein. On se les pèle. Ah, il faudrait que je mette du chauffage dans les trucs un peu... oui. Un petit peu partout, on va dire, entre guillemets. Sommeil, allez, fouille générale. Ouais, ils sont bientôt réveillés, les bouseux. Là, il va falloir aussi donc de l'eau. Ah, oh, le chantier de l'eau, c'est un truc de dingue. Pour les toilettes, ce sera les petits tuyaux. Tout simplement. Comme cela. Et ici... Pour avoir de l'eau chaude... Il va nous manquer... ben ça c'est en cours. C'est en cours. Il manque celui-ci par contre. Que je n'ai pas fait. Ouais, pour l'eau chaude. Voilux. Et ici apparemment... Il manque de l'eau aussi. Bon, on va attendre un petit peu le temps que. Hein. Le temps que. Bon, ils ont trouvé un petit peu de matos, des matraques, des fourchettes, médicaments, ciseaux, alcool, des clés, ça peut être inquiétant ça par contre, et des drogues. On va prendre donc une deuxième subvention. Niveau de sécurité carcérale, les maîtres chiens et les patrouilles de garde armée. Ça ce sera très bien parce que c'est ce qu'on est en train donc de déverrouiller dans le tableau. Donc ça ce sera nickel. Est-ce qu'on peut augmenter notre capacité? Non, on en a terminé. Ok. Je vais pas faire en fait de douche ici, ça sert à rien. Ils ont tous la douche. Voilà, ça sent pas bon là. Qu'est-ce qui se passe? Ça se tasse d'un peu partout là. Bon. Effectivement, là, je ne vais pas faire les douches parce que c'est vrai que je sais pas pourquoi j'y ai pensé à ça. Mais non. Ce que l'on va faire. Là, ce qui pourrait être sympa. Ah non, parce que là, il y a directement. Ouais, quoique. On va mettre un mur et on va faire un. Je sais que je voulais pas trop en faire, mais bon, on va quand même tenter le coup. Un dortoir. Ce sera un petit dortoir, hein, comme vous pouvez voir. Donc automatiquement, il va falloir une partie douche. Donc la partie douche, je la ferai sur le côté ici. Hein, je resectionnerai. Danger, il augmente. Oula, c'est pas bon ça. C'est pas bon. Alors là, on va mettre donc les tables pour les conditionnels. Ça pourrait être sympa. Hop, table de parloir. Ok. Alors, est-ce qu'on peut faire... Oui, programmation, menuiserie, débutant, comportement, conditionnel. On va les mettre en place. Guide spirituel, bon, on peut pas encore le faire. Ok. Hop, le petit rondin, on va le prendre. Hop, on a un petit là. Carnet. Contact book, ok, d'accord. Bon, après, c'est en anglais, donc c'est con, quoi. C'est vraiment dommage, ça, cette partie-là qu'ils ont pas mis en français. Tant pis. Hop. Donc, comme ça, on n'est pas trop mal. Ils sont en train de manger. Alors, qu'est-ce que ça nous donne au niveau de la cantine? Hop, on va mettre en maximum. Bah, j'ai l'impression qu'ils sont pas trop mal, hein. Si on vérifie ça donc dans les besoins... Ah non, ils sont pas bons, non. Comment ça se fait?
Ah, c'est que les autres, ils sont en salle de... En mince, en isolement, à tous les coups. À tous les coups, c'est ça. Eh oui, je pense que c'est ça. Bon, là, il y a la fouille, on va l'arrêter, hein. Hop. Eh oui, il y a un paquet de monde qui est en isolement, donc forcément, ils peuvent pas manger. Je pense, en tout cas. Bon, on verra bien. Bon, avec tout ça, moi, j'ai oublié de mettre le timer pour savoir où on en était en termes de temps de vidéo. Comme ça, on est bien, hein, on sait pas du tout combien de temps ça fait. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour cet épisode. Et on se retrouve au prochain. N'hésitez pas donc à mettre un pouce bleu, à mettre un petit commentaire, à partager, ça me fera plaisir. Et comme je dis d'habitude, le principal, voilà, c'est de se faire plaisir, hein, tout simplement. C'est le maître mot. Allez, salut, ciao, ciao!